Let's go. Mais ta mère, toi aussi, là! Lui, il vit son propre aller, c'est quoi ce délire? C'est bon, les archers qui tirent trois flèches, là. Là, c'est qui le boss ici? Bonjour.
Hop là, le chef, au revoir. Bon, tu es encore 10. Ta mère, toi, la flèche, là. Qu'est-ce qu'il veut, ce PD? Mais sauve-moi, toi, salope. Me laissez mourir. Salope, on continue depuis le début. Allez, au revoir. Mais c'est bon, je peux quitter, déjà. Tamir, là, salope. Bouge, wesh. Hop, on reste comme ça. Hein. Ça, mon gars. Connard, va. Narvalo. Ta mère! Salope, va! Eh, c'est bon, je me fais un attaque à travers les murs. Hein. Ouais, c'est bon, arrête!
appelle des renforts. Fais-les taire. Tamir, tu entends ça? C'est bon, wesh. C'est bon, wesh. Allez. Yuna, que fait-elle ici? Un groupe de guerriers me suit. Ils ont des explosifs. On pourrait s'en servir contre eux. Prépare ton arc. Mais j'ai pas de flèche. Prépare ton arc, j'ai pas de flèche. Il faut que je quitte cette île. Et Taka aussi. Nous n'en avons pas encore fini. Allons au phare. Nous rallumerons la flamme. Pour montrer aux Mongols que notre victoire à Kaneda n'est qu'un début. Et prévenir le Khan que nous arrivons.
Je suis content que tu sois venu, Yuna. Tu as réussi à faire diversion. À votre service, mes seigneurs. Il nous faudrait plus de combattants tels que toi dans nos rangs. Vous risquez d'avoir du mal à en trouver. À moins d'élargir vos horizons. Nous avons affaire dans le phare. Exprime-toi et laisse-moi tranquille. Yarikawa est riche en guerriers. Si ses murs ne sont pas tombés. J'ai réprimé la révolte de Yarikawa. Ces gens ne m'apprécient pas. Je sais. J'ai grandi là-bas. Est-ce là que tu as appris à voler ? Yuna vous admire grandement, Seigneur Shimura. Elle peut convaincre les siens de se battre pour vous. Très bien. Aide le Seigneur Sakai à lever cette armée. Et tu pourras quitter cette île par le premier bateau. Avec mon frère. Attends-moi dans le vieux Yarikawa. Merci, Jin. J'ai failli sauter là. Ah non. J'espère que le calme ira. N'aie crainte. Nous reprendrons votre château, mon oncle. Et nous détruirons les Mongols. À la façon des samouraïs. Rentre chez toi et prends l'armure de ton père. Recrute les paysans de Yarikawa. J'irai négocier des renforts auprès du shogun. Comment contacterez-vous la grande île ? J'ai moi aussi de mauvaises fréquentations. Dans la crique d'Umugi, un pirate du nom de Goro m'est redevable. S'il est encore en vie, je le trouverai. Amène-le à notre ancien camp de chasse. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Je ne veux pas te perdre encore. Monseigneur, nous avons délivré un prisonnier des Mongols. Un moine guerrier. Il souhaiterait vous parler. Un moine guerrier ? J'irai le voir. Non. J'irai pas le voir une seule fois de ma vie. Quel récit, frérot, j'ai fini. Mais quel récit, j'ai fini. Je voulais pas le voir, le moine. Seigneur Sakai. En plus, il n'est même pas chaud, c'est pas un moine. Avec toute ma gratitude. Quel temple sers-tu ? Le temple Sugi. Nous sommes partis combattre les Mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de Komoda. Mais notre voyage a pris fin ici. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé ? Nous avons été attaqués, puis faits prisonniers. On nous a jetés dans une fosse couverte. Sans nourriture,
Il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains. Ils ont sorti Jogon en premier. Nous l'avons entendu se débattre, crier. Puis les cris sont devenus des hurlements. Une odeur, ensuite, de brûlé. Mais nous avons tenu bon. Nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère, Enjo. Enjo. Le gardien ? Désolé d'apprendre sa mort. C'était un grand guerrier. Et un frère encore meilleur. Comment t'appelles-tu ? Norio, monseigneur. C'est là qu'ils nous enfermaient. Six hommes tiendraient à peine dans ce trou. Et pourtant, nous étions le double. Marchons un peu, Norio. J'ai quelque chose à te montrer. Tu es passé par Toyotama. Comment était-ce ? Le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés. Il paraît que le repère de pirates de la crique d'Omugi résiste. Arrêtons-nous. Les envahisseurs doivent être des milliers. Maintenant que le seigneur Shimura est libre, il va nous mener à la victoire. Tu te joindras à nous, j'espère. Vous pourrez compter sur les moines du temple Sugi. Ils sont à une journée de cheval. Aidez-les, et ensemble, nous renverrons les Mongols à la mer. Nous vengerons ton frère, Norio. Tous les moines qui ont péri ici. Je ne souhaite pas me venger, mais je vais me battre pour la paix. Je l'ai cherchée partout. Elle a disparu. Elle est morte, au fond d'un bateau mongol. J'irai au village d'Akashima pour aider les commissaires. Pour riposter, nous aurons besoin d'eux. Je peux vous présenter Ochi. Mon frère disait qu'il était le meilleur. Dans ce cas, nous nous reverrons à Akashima.
Vite, Sora. Ouais, allez. On va récupérer la meute. Merde, malade. Se passe-t-il ici? Accélère, Sora. Doré. Je me demande où il vole ainsi. On ne peut pas traverser un siège à pied. Nous trouverons un moyen. Il nous tuerait tout de suite. Nous avons bien fait sortir les amours. Mais j'ai failli.
moines sont en danger. Bah les couilles, moi je vais chercher une armure. Je perds plus de temps, moi. Je veux mon armure. Je veux mon armure. Mon armure. Allez, ah oui, okay, c'est ici, on n'est pas bon. Village d'Omi. Chez moi. Je ne vois pas de Mongols. J'aurais voulu rentrer plus tôt. Content de vous voir, Yoriko. Vous semblez épuisé. Avez-vous faim? Je vais bien, merci. L'armée du Khan a dû passer par ici. Avez-vous eu des problèmes? Quelques bandits. Je n'ai eu aucun mal à m'en défaire. Je cherche l'armure de...
mon armure. Vous n'en vouliez pas sur la plage de Komoda? Beaucoup de choses ont changé depuis. Je l'ai caché en lieu sûr. Je vais demander à Taichi de m'aider. Il est au cimetière. Que fait-il là-bas? Il entretient le domaine. Il cueille des plantes pour mes poisons. Et il éloigne la vermine de nos provisions. C'est bien que vous ne soyez pas seul. Quelle nouvelle du seigneur Shimura? Il est vivant. Les Mongols l'avaient capturé à Komoda. Et nous l'avons libéré. Oh, d'autres ont survécu. Et ils se sont joints à vous? Quelques-uns seulement. Dame Masako. Bien. Toute petite, déjà, elle se battait aux côtés des garçons. Un jour, il faudra que vous me racontiez tout ça. Est-elle votre seul allié? Il y en a d'autres. Ishikawa-sensei. Voilà bien des années que je ne l'ai pas vu. Se comporte-t-il toujours comme s'il savait tout mieux que quiconque? La moitié du temps, c'est le cas. Mais c'est un archer sans égal. Il ne dirait pas le contraire. Seigneur Sakai, vous voilà. J'aimerais pouvoir rester, mais j'ai cru comprendre que vous preniez soin de Yuriko. C'est plutôt l'inverse, monseigneur. Taichi, aide-moi à préparer l'armure de Sakai. Allez-y. Je dois me rendre au cimetière. Il reste des mauvaises herbes. Je vous demande pardon. Notre seigneur est enfin de retour et son domaine est négligé. Ouais, genre, faut que j'aille tout seul comme ça. J'ai perdu mon père. Nous y venions pour méditer. Je me retrouve seul. Est-ce que c'est l'armure du jeu qu'on voit tout le temps? Celle avec le masque noir. Oui, c'est ça. Let's go. Jane,
Aide-moi. Que ta mort profite à tous les êtres. Oui, là. Oh, l'armure, elle pue la merde. Un vertige. Pendant un instant, j'ai cru voir votre... Barre-toi, espèce de lâche! Cachez-vous. Oh, attends, parce que là, c'est quoi cette armure de merde, là? Eh? Laisse mon armure, frérot. Ah, est-ce que je peux être sur mon armure? Putain, je peux pas y... Ta mère aussi, l'armure a pu. Le masque, il est bien. Venez donc vous battre. C'est tout. Jure, on peut faire ça en doublé. Ah voilà, on peut changer.
Seigneur Sakai. Est-ce que ça va? Vous les avez massacrés! Le clan Yarikawa cherche-t-il encore les ennuis? La révolte de Yarikawa remonte à 20 ans. Ces hommes s'étaient alliés aux Mongols. Bien sûr. Je les ai fumés. Ça m'a un peu retourné. Mais ils m'ont fumé. Je vais prendre mon souffle. Au bord du lac. Votre arbre préféré. Oui. Allons-y. Peut-être Christophe, ou c'est comment que vous concoctiez des poisons. Ils éloignent la vermine de notre riz. Pourriez-vous les rendre plus forts? Pour tuer un homme, par exemple? Nul ne mérite un tel sort. Le pourriez-vous? À dos et à vous, les effets sont terribles. Bien. Oh, monseigneur. Asseyez-vous à mes côtés. Jamais les Sakai n'ont eu recours au poison. Jamais les Sakai n'ont été confrontés à l'Empire mongol. Toute arme est donc bonne à prendre. L'avenir de Tsushima en dépend. Les Mongols vous ont changé, jeune maître. C'est le monde qui a changé. Ma mère m'a transmis son savoir des plantes médicinales, mais aussi des plantes nocives, voire mortelles. Elles doivent pénétrer l'organisme. Comment comptez-vous empoisonner l'ennemi? Une sarbacane et des fléchettes. J'ai découvert l'usage de cette arme dans mes mémoires d'un guerrier Genji. Acceptez-vous de m'aider? Promettez-moi de rester l'homme bon que vous êtes. Je vous le promets. Je veille sur vous depuis que votre mère vous a mis au monde. Je vais continuer. Tout ce qu'il me faut, c'est de quoi faire une sarbacane. Il y avait des roseaux le long de la rivière, près du vieux passage. Vous rappelez-vous? Vous et votre ami, vous en serviez pour construire de petits bateaux. Avec Ryuzo, nous passions notre temps à rejouer la bataille de Dannoura. Méfiez-vous, Jin. L'envahisseur y a un nouvel avant-poste. N'ayez crainte, je reviens avec des roseaux. Je vous attends ici. Yoriko disait vrai, un avant-poste mongol. Avez-vous peur? Attention!
Tadaron, la grosse chienne. Ta mère, toi! Avec ta grosse touffe de cheveux, fils de pute! Un avant-poste mongol. Chiharvo, envoyez votre meilleur guerrier! C'est un archer, putain de ta mère! Hey, des insectes. Changer. Attention!
Thank you.